Géo, donc en front Pacifique, elle était, si je me rappelle bien, à 280 000 francs. 280 000. Bon, après, il faut convertir, hein. Je crois que c'était des versions que le mec allait choper à Singapour. Parce que Singapour, c'était une plaque un peu tournante du trafic de consoles à l'époque. Enfin, dans le coin. Pas loin de la Nouvelle-Calédonie. Excusez-moi, j'ai failli crever. Please select the type of your game. Who do you play? Robert Mendel. Please select your challenging course. Australia. Il y en a pas mal de. Ah ouais? Alors c'est quoi ce mec là qui se touche les couilles avec ses 20 000 dollars la cartouche? Ça se trouve, c'est un mec qui a complètement craqué là. Qui s'est dit, attends, ça se trouve, je la mets, ça va passer. Je vais mettre un peu de spin avant et je vais la lever. Et du coup, elle va sortir et je reset. C'est évident. N'importe quoi. Non, y a un truc là. À mon avis, ça doit être des fausses cartouches. Des cartouches pirates. Et ouais, où j'étais donc à Nouméa, effectivement, t'avais pas mal de consoles asiatiques qui venaient. Et surtout, les mecs qui vendaient sans scrupules tous les systèmes de piratage. Et notamment les Game Doctor. Je sais pas si vous l'aviez vu ça sur Super Nintendo, mais tu pouvais en fait copier tous les jeux sur disquette. C'était bon ça. Et déjà à l'époque, en fait, j'ai toujours eu des consoles craquées. Là encore, chez moi, là, j'ai toutes les consoles craquées avec plein de jeux. J'y joue pas, hein, mais c'est juste pour avoir quoi. Ah d'accord, c'est la distinction MVS-AES. Ok. Et non, pourtant il met que c'est une... Attends. Non, non, c'est l'inverse. En fait, ouais, c'est ça. Ouais, donc là, c'est une version MVS. Et la version... Ah non, d'accord, pardon, autant pour moi. Donc c'est AES, c'est version boîte. D'accord, et donc il n'y en a eu que très peu de produits dans le monde. Eh, salut, KLC. On était en train de parler que, tu vois, ce jeu de golf là, il y a une version à 20 000 dollars sur eBay.
20 000 $, mon gars. Par contre, il est clair, si un jour, tu vois, j'ai vraiment beaucoup de thunes, je me le prends. Et genre, si je gagne à l'euro million, quoi. Tiens, d'ailleurs, jouer à l'euro million, vendredi, 100 millions d'euros à gagner. Un petit 100% des familles. Oh, pff, ça a tapé. Imagine le nombre de bornes que tu peux acheter. Oh, sinon tu te fais une salle d'arcade, mais géante quoi, un Sega Taito chez toi quoi. Alors, 4 devant, ça casse les burnes. Donc obligé de faire du backspin et de la mettre un peu basse pour pas que ça prenne trop le vent. Et ça va trop loin, c'est la merde. C'est complètement la merde. Kirby Sacre 4, les vrais. N'empêche, il est doué hein, dans ce qu'il fait à lui. Hein. Putain. Je comprends que ce soit une drogue, une passion. Vu le fric que tu peux te faire. Je vais tenter par la droite. Ouais, par la droite. Non. Faut vraiment pas que je me chie par contre sur le 100%. Alors, ok. Oh, c'est parfait ça! Magnifique. Je m'auto-suce. Hein. Ça sert vraiment à rien les mains ici en fait. Hein. 6 devant. Je sais même pas si je vais pouvoir passer le petit plan d'eau là. Ouf, passé juste. Hein. Écoute, 5 devant à droite comme ça, là, c'est comme si je mettais un hook. Donc, ouais, c'est bon. Oh, excellent ça! Et ça sort en HDMI? Excellent ce truc s'il est là! Player 1, T-Shop!
stop. Putain, sa mère. Elle est dedans. Allez, roule ma poule. C'est excellent ton truc s'il est là. Après, à savoir, il y a combien de jeux sortis en cartouche NDS. J'ai tous les jeux Neo Geo quasiment. KOF 95, sérieux? Et il est pas terrible en plus, hein. Enfin, pas terrible. Il y a bien mieux, quoi. Ça me donne envie de rejouer à KOF. Non, pas de faute. Non, bah tout simplement parce que 98 et 2002 sont les plus équilibrés, tout ce qu'il faut, quoi. Pas de bunker. Oh, c'est parfait, ça. Ça sort les liens, le bon coin. Attends, je vais regarder ça après. De me concentrer, pas faire de la merde. Yeah. Ah oui, le slot MVS il vaut 120€. Et les jeux après quoi, ils vaut 20, 35 balles. Puzzle Bobble, 35 balles, c'est pas cher. Oh, Shock Trooper, c'est excellent. Ah et putain, mais après là je peux pas, là financièrement je peux vraiment pas. Alors là logiquement, si je me mets un en dessous, deux à gauche, faut que je me décale de à peu près deux comme ça à fond et un peu de backspin. Allez, c'est dedans, allez. Putain. Pourquoi 4 slots? Ah oui, d'accord. Ouais, tout simplement. Pour avoir le choix entre 4 jeux. Et le truc après, c'est tous les réglages de l'écran. Avec ça, là, ça doit être bien la merde. Je suis déjà tombé sur des forums où des mecs qui... ou des tutos où les mecs ils s'arrachent les cheveux. Ils s'arrachent les cheveux avec les réglages télé. Voilà. Ah, moi j'ai ce qu'il faut normalement pour mettre un PC dans une borne, mais c'est juste que ma femme ne veut pas qu'il y ait une borne à la maison. J'ai déjà essayé de l'avoir, impossible. Dommage, quoi. Ça boulotte ce soir. J'ai été voir une Japan Expo, ouais, je crois que c'est ça. Les mecs qui... La société là qui font des bornes, qui font des mini-cabs, des mêmes cabs. Des trucs vraiment splendides. Pareil, j'ai oublié le nom de la boîte. J'ai pas de mémoire. Un mec super sympa. Il faisait vraiment du beau taf. Par contre, il fournissait pas en fait les jeux. Enfin, pas officiellement, du moins. Stop. Putain de rof.
Ah, il est au sol le mec? Comment s'appelle sa boîte? Oh putain, mais c'est pas vrai! Attends, comment on rentre pas à celle-là là? Toute maudite fête. Oh, mais c'est une boucherie, hein. C'est magnifique. Et puis franchement, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule, hein. Mais ouais, les Burn Street là en HD là. Comme il est au Japon. Quelle tuerie. Non mais je m'étais fait un petit séjour à Tokyo. 5 jours tout seul. À faire que du street. À faire que du street contre les Japonais. À jouer contre Nemo, Itabashi, Zangief. Putain, c'était une tuerie. 6 devant, je vais mettre à fond avec du backspin. Allez, soyons fous. Oui, magnifique. Ah, c'est Arcade Company. Non, c'était pas ça. C'était une autre boîte, je crois. Au moins qu'ils aient changé de nom, c'est possible. Hein. Mais c'était vraiment du super matos. Hein. Surtout, merde, les stickers là, qu'ils mettent sur les côtés de la borne. Ils faisaient des mini-bornes, des bar top. C'est ça le nom. Ils faisaient des bar top, mais de toute beauté. Après la beauté, je crois qu'elle se payait genre c'était 1000 euros, enfin plus de 1000 euros. Hein. C'est cher, hein. Enfin c'est des belles pièces. Hein. Ouh la belle pièce. Alors on va mettre comme ça. Ça veut pas backspinner. Hein. C'est fort. Putain que c'est fort. Oh. Oh, le nombre de fois où j'ai frôlé le poteau là, je pourrais être à mieux que ça là. Quel dommage. Moi 13 ou 12, par contre je suis complètement bien. Sur la base d'un moins 19. Stop, 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 stop. Ouais. Ok. Ça a failli prendre l'arbre là. Ouh là 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 là. Good. Birdie. À une époque, je leur quai pas mal. C'est les tutos que t'as sur le net des mecs qui se font des cabinets avec MAME dedans, avec un PC qui font tout le custom de A à Z à récupérer un écran, à tout faire. Franchement, c'est fou. Qu'est-ce que ça donne envie. Après, le plus dur, c'est toute la configuration d'hyperspin. Enfin, le truc là qui te permet. Je le tente ou pas? Allez, je le tente. Oui.
Oh, stop, stop. Mais stop, putain. Oh, mais à part à droite. Oh là là, quelle saucisse. Et le part. Tout ça pour ça. Moins 14 au 14, c'est toujours bon. Alors 9 devant. Là, j'ai un peu les boules quand même. Vous voyez les mains qui tremblent là, ça y est là. Elles mouettent. Elles sont mouettes. 8 devant. Sept devant dans le dos. Avec un sandwich. Là faut pas que je me chie. Hein. Parce que le sandwich, le truc, c'est que ça prend énormément le vent. Allez. Nice. Partout. Pas devant. Ok, je descends d'un club. Ah, c'est presque parfait ça. Nice and smooth. C'est fort. Mais non! Faut toujours je me chie. Toutefois. Ce genre Van de Velt de NeoTurf Masters. Je chill 110%, tout va bien. Ouf. Hey yo Gekori. La forme. T'arrives pile pour le fail. Nice. Bof bof. Qui passe ça? Trin trin. Pas devant. Oui. Mais regardons du golf, ça fait du bien. 6 devant. Fuck. Ah mais attends, Windjammer, franchement ça m'intéresse. Hein. Ne fais pas de faute, je t'en prie. Thank you.
Oh, c'est parfait ça. Allez, nickel. Et oui. Bah écoute, c'est un PB. Moins 18. Par contre, ce qui m'emmerde sur les versions Fightcad, c'est que c'est en combien de points? C'est en 15 points, c'est ça? Je crois que la version arcade, c'est en 23 points, ou je sais plus. Enfin, c'est beaucoup plus. Enfin, je trouve ça bien mieux des matchs plus longs. Allez, merci. Tu m'envoies un amiibo? Je m'en bats les couilles. Je l'ai fait en moins 18. Je bats le record, mais un par un. Ouais, merci, Kelsey. Et j'ai failli me chier comme il faut. Si j'avais pas fauté sur le par de merde là tout à l'heure. Un petit moins 19. Attends, oui, je te chante une berceuse. Ah, content là, content. Ah, par contre, quoi qu'il arrive, c'est game over. Tiens, je regardais en speedrun. T'as un mec qui speedrun tous les parcours.